heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Giulio au Debito City d'Issue à Kinshasa ou l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Passé au crible entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et les DG de la SNEL ainsi que de la Régie des Eaux en présence du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Suivez de plus en plus de détails. Quels sont les problèmes, les challenges que les deux compagnies qui sont sous ma tutelle, notamment la SNEL, Régie des Eaux, quels sont les problèmes qu'ils ont de façon à ce que nous, le gouvernement central, on puisse accompagner ces sociétés pour essentiellement résoudre le problème de la desserte en électricité et en eau dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans les différentes provinces. Écoutez, d'abord il faut savoir que le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc en tant que gouvernement, nous on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa, on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes. Et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème. Et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes, on parle d'apporter une nouvelle technologie. C'est un petit peu ça. Et puis après, il y a bien entendu la tarification. Ça c'est essentiellement un travail qui va être fait. Il y a un gros travail de fond qui doit être fait avec... aujourd'hui, on a pour mission, par exemple, d'opérationnaliser l'autorité de régulation. Et donc, l'autorité de régulation va devoir se pencher sur ce problème et on pourra régler les problèmes de tarification. D'un ministère à un autre, dans les cadres de la journée internationale de micro et des petites et moyennes entreprises, Estache Mwanzi rappelle l'engagement de la RDC à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat pour la création d'une classe moyenne noble. Suivez. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en avril 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution proclamant la date du 27 juin de chaque année, journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. C'est à vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, que cet hommage national et international est rendu aujourd'hui, afin de réaffirmer votre importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable par la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail. Il est néanmoins évident que les encouragements qui vous sont dus ne peuvent se limiter uniquement à de belles paroles. Voilà pourquoi, lors de son discours du 24 janvier 2019,
à l'occasion de sa prestation de serment constitutionnel, le président de la République, chef de l'État, a annoncé un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes, la réhabilitation du secteur formel, l'adoption d'une démarche novatrice pour notamment renforcer l'artisanat et de créer des centres d'invention et d'innovation. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le 5 juin 2020 le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs symbolisés par les 3 C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. Il s'agit en fait de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés, et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé. Et tous ces 3 C devront être soutenus par un C symbolisant le climat des affaires. À cet effet, toutes ces réformes font l'objet de 2 avant-projets de loi, respectivement sur la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo et sur l'entrepreneuriat et le start-up. Ces 2 projets de loi ont été validés par les experts lors d'un atelier organisé à l'hôtel Sultani le 15 et 16 juin passés. Ils seront bientôt soumis aux délibérations du gouvernement avant leur dépôt à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je vous exhorte donc à vous appuyer sur les différentes structures spécialisées du ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, en l'occurrence l'Office de promotion des Petites et Moyennes Entreprises congolaises OPEC, pour la capacitation, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC pour le crédit et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP pour le contrat. Votre ministère et l'ensemble du gouvernement s'engagent et à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat au Congo en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays. Que vive l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et que vive la République démocratique du Congo. Dans son intervention mercredi dernier à la réunion ministérielle du G20 axée sur le genre et la jeunesse qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania, en Italie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe, qui a valablement représenté l'Union africaine, que préside Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a non seulement abordé la problématique du travail décent, l'employabilité de jeunes et les inégalités basées sur le genre, mais aussi et surtout invité les États membres du G20 à s'impliquer dans la restauration d'une paix durable en Afrique en général et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'actuelle pandémie de Covid-19 n'est certainement pas le dernier choc majeur auquel sera confronté notre continent. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour permettre aux pays africains d'établir des économies plus résilientes et de mieux se préparer à faire face aux crises futures. Pour y parvenir de manière efficace, il est important de multiplier les efforts pour combattre l'insécurité que connaissent certains pays, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Mali, le Soudan et d'autres pays de la région. C'est pour cela qu'au nom de toute la population africaine, j'invite les États membres du G20 à s'impliquer davantage pour la restauration d'une paix durable dans les pays si haut évoqués. En marge de ces assises, le numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo a sur place eu des échanges fructueux avec Guy Reinders, directeur de l'OIT, Mamta Murthy, vice-président de la Banque mondiale et sa collègue italienne en charge du travail. Question sans nul doute de faire du lobbying international et de redorer davantage l'image de la République démocratique du Congo vis-à-vis des partenaires sociaux du monde du travail.
Dans ma position, je ne voudrais pas parler d'abord du gouverneur comme politicien, mais je voudrais parler plutôt de ce qu'il a fait, de bien qu'il doit, qui implique aussi la collaboration de la population. Donc j'ai désiré vraiment prendre parole à cette occasion pour dire d'abord ceci, vous avez bien dit, c'est comme prêtre congolais. Quand je suis arrivé à Kinshasa et chaque fois que je sors de Kinshasa, je rentre et une chose me peine encore, c'est l'insalubrité, c'est le manque de bonnes routes et on se sent petit quand on va dans d'autres pays africains. Je me rappelle la toute première rencontre que j'ai eue avec le gouverneur, c'était à l'occasion d'une, peut-être il ne se souvient pas, d'une réception à l'ambassade d'Italie, où j'ai attiré son attention là-dessus, que la ville est très sale, et tout est à refaire, tout est à reconstruire, le défi est grand, mais il m'a rassuré qu'il était dans ce schéma-là. Alors, je suis vraiment heureux de voir de bonnes initiatives prises, la construction des routes dont le quinoa a besoin. Je crois que quand ça va se terminer, il y aura une fluidité dans la circulation. Et je salue surtout le programme appelé Kinbopeto, où l'on voit un début de changement. Je dis bien un début de changement parce que le chemin est encore long. Et c'est un grand défi pour les politiques, mais ici je voudrais surtout m'adresser au peuple congolais qui m'entend. On ne réussira pas de rendre cette ville propre sans l'implication d'un chacun. Le gouverneur a pris de bonnes initiatives, il faut les saluer. Même les routes en construction, là, ça demandera un entretien, ça demandera une compréhension, si on commence à se servir des caniveaux comme des poubelles où on doit jeter les ordures, mais on aura dépensé l'argent pour rien. Donc, tout en félicitant le gouverneur pour cette initiative louable qu'il a prise, et plaise au ciel qu'il ait des moyens pour ça, j'ai suivi avec joie la signature, je crois, du partenariat entre le gouvernement central et le gouvernement provincial qui allouerait, donc chaque mois, si j'ai bien compris, on débloquerait 2 millions de dollars pour gérer ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Félicitations au chef de l'État qui a veillé à cela. Mais alors, nous avons une grande responsabilité comme population de contribuer nous-mêmes. C'est notre vie. La propriété, c'est une expression, une forme de charité. Voilà, donc, je voudrais que les Congolais prennent conscience que notre pays, notre ville de Kinshasa, pour les quinoa, est sale. Et que nous devons aussi accompagner les programmes que les autorités ont mis en place pour améliorer la situation. Il s'agit de nos conditions de vie, au fait, qui vont être changées parce que là où il y a insalubrité, il y a des microbes, il y a des maladies. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour se rendre compte qu'en passant par Limité, les choses changent. C'est vraiment un endroit où je comparais cet endroit-là au site du jardin de l'Élysée. J'ai dit, mais ici, vraiment, si, mais je vois qu'il y a quand même un début de changement. Non, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ça. Il est vrai que le chemin est long. Les critiques, il faut aussi les prendre positivement pour encourager. Ce serait méchant de dire qu'on ne fait rien, alors qu'il y a quand même des signaux positifs qui se donnent. Et en politique, le CRD, parti cher à Christophe Mbosoko, speaker de la Chambre basse du Parlement, confirme son soutien indéfectible au président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appuie l'accord signé entre la RDC et les Rwanda et l'Ouganda. Suivez de plus en plus de détails. Déclaration de la Convention pour la République et la démocratie. CRD en sigle, parti politique cher au patriarche honorable Christophe Mboso Kodiapwanga face à la situation politique du moment. La CRD suit avec beaucoup d'attention et d'intérêt
la situation politique du moment dans notre pays. Déclarons ce qui suit. La CRD appuie et appuiera davantage la vision et les actions du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise le bien-être du peuple congolais, lesquelles actions sont matérialisées par le gouvernement Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge. La CRD soutient l'état de siège proclamé par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et du Turi pour maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Comme l'a toujours souhaité l'honorable président de l'Assemblée nationale dans sa phrase magique, quitter les groupes armés. La CRD encourage et félicite le chef de l'État pour son séjour de réconfort et de compassion aux populations maîtrises de l'Est de la République démocratique du Congo et appuie les accords signés entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. La CRD témoigne son attachement et son soutien indéfectible à son autorité morale, l'honorable Mboso Kodiapwanga Christophe, président de l'Assemblée nationale, et appuie le travail qu'il réalise en collaboration avec ses collègues membres du bureau, avec beaucoup plus de maîtrise, de compétences, de patriotisme, d'abnégation et un sens de responsabilité plus élevé au profit de la nation tout entière. La CRD félicite et encourage la majorité des députés pour leur sens de dévouement à ne servir que l'intérêt du peuple dans les travaux législatifs et des contrôles parlementaires. Par ailleurs, la CRD s'insurge contre les propos injurieux et mensongers, débitant longueur des journées par les aboyeurs des politiciens immatures, en perte de vitesse, sans discours concret, à l'endroit de l'autorité morale de notre parti pour ternir son image au but de freiner l'élan du bon fonctionnement des institutions. Nous mettons en garde tous ces politiciens mal intentionnés et promettons que s'ils continuent à ternir l'image de ces dignes fils du pays, ils trouveront la CRD sur leur chemin. Quant à la loi sur la CENI, adoptée par les deux chambres parlementaires, la CRD estime que cette dernière contient beaucoup d'innovations pour renforcer la transparence dans le fonctionnement de l'institution CENI. Soyons sérieux et respectons les choix de la majorité de députés. Concernant l'épopée 500 JEP dont on parle, elles ne sont qu'un moyen de transport dont les députés nationaux ont besoin pour leur mobilité, en vue de maintenir et d'entretenir leurs bases respectives, et non un luxe pour que ceux-ci ne puissent s'en procurer. C'est un faux problème et un faux débat. C'est une preuve que ceux qui s'y accrochent n'ont aucun projet heureux pour le peuple. Enfin, la CRD appuie la mise au point faite par les rapporteurs de l'Assemblée nationale sur ce fameux dossier de JEP. L'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, interpelle la population kinoise par rapport au respect de gestes barrières. Suivez l'inspecteur général. Je suis en train de faire des musiques, des concerts, 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 des concerts
Toujours dans le même ordre d'idée, la police nationale congolaise et le DJRK sont à l'œuvre dans la ville province de Kinshasa. Les duels ont mis la main sur quelques terrasses, lieux de deuil et piétons qui ne respectent pas la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les plus amples détails. L'opération menée dans la nuit du samedi 26 à dimanche 27 juin 2021 a commencé par un briefing. Nous avons la police, nous avons les militaires, nous avons la police de battre. Dans la discipline, nous avons la discipline. Tant que nous avons la police, nous avons le masque. Mais quand nous avons comme un robot, nous avons la police. Nous avons la police, nous avons la police. Le commandant de la ville, le général Silvano Kasongo, a pris dans sa suite le directeur général des recettes de Kinshasa, Félicien Kuluta, dont les agents sont chargés de percevoir les amendes des récalcitrants. Alors que l'organisation des funérailles dans les salles et résidences est interdite pendant cette période de pandémie de Covid-19, le commissaire provincial est tombé sur une famille qui a organisé des obsèques avec plus de 100 personnes dans la parcelle. Ajouté à cela, le tapage causé par un orchestre musical. Pour défaut de paiement de l'amende par l'organisateur des funérailles, organisateur de deuil, 500 000 francs. Les instruments de musique ont été saisis et toute personne surprise, sans masque ou violant les couvre-feux, a payé sur place auprès de la DGRK l'amende conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bandalungwa, cité d'ambiance, ignorant complètement la troisième vague du coronavirus, à cause de la recherche de l'argent, les vendeurs de ces grillades ont pris la poudre d'escampette à l'approche de la police. Dans sa ronde, le commissaire provincial a interpellé des nombreuses personnes qui ont violé les couvre-feux. Ces deux jeunes gens ont prétexté une inhumation pour échapper à la police. Mais c'était sans compter sur la rigueur du général Kasongo. $50 000 d'amende chacun, ils ont payé à la DGRK. Nous, la DGRK, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, nous serons toujours à côté de la police pour protéger les vies humaines. Nous protégeons les vies humaines en faisant payer effectivement cette contrainte qui est l'amende. Un autre constat fait par la police, des nightclubs, bars et terrasses, interdits pourtant des fonctionnements, se sont transformés sur la forme en restaurant tout en gardant le fond.
Les gens ne comprennent pas le contenu de l'arrêté de sanction sur le gouverneur. Ils confondent. L'arrêté interdit tout rassemblement, toute manifestation de plus de 20 personnes. L'arrêté interdit toutes les veillées mortuaires, à domicile ou dans des salles. Mais il y a des gens qui font les fêtes, qui oublient quand vous arrivez, ils vous disent non, écoutez, nous sommes 20h, nous avons encore les droits. Non, les fêtes sont interdites. Si vous allez faire les fêtes, mais le nombre ne peut pas dépasser 20 personnes. C'est l'arrêté. Et nous, nous sommes appelés à appliquer cet arrêté. Les restaurants, oui. Les restaurants sont ouverts. Capacité 50%. Mais les terrasses sont fermées. Que ce soit les terrasses des hôtels ou les autres terrasses qui sont laissées. Il ne faudrait pas que la population commence à blaguer. C'était un bar, ça se transforme là, un restaurant. Vous mettez un peu de la chèvre là-bas, vous mettez un peu de poulet. C'est quoi ça? Vous blaguez avec. Tout individu qui a violé les couvre-feux ou les mesures barrières et qui n'a pu payer l'amende a été embarqué et emmené au QG de la police. Ces expatriés pris en flagrant délit ont été interpellés, comme à l'égard des autochtones dans la discipline et la courtoisie, ils ont été conduits dans le cachot. À la fin de l'opération qui est partie de 20h à 5h du matin, le carnet de quittance de la DGRK a été bien rempli, signe que les Quinois ont encore de la peine à se protéger contre la pandémie du coronavirus. C'est par cet élément de la police nationale congolaise que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, partagez nos émissions et aimez, abonnez-vous massivement.